C'est-à-dire mes parents avaient une exploitation aussi et ils étaient agriculteurs. Alors je leur ai aidé pendant toute mon enfance, quoi. J'étais à l'école, mais après je leur ai quand même aidé toute mon enfance. Je suis né avec, j'ai grandi avec. Et... Je suis né à Lyon, dans un univers extrêmement citadin, dans la banlieue lyonnaise, en étant entre deux cités. Mes parents sont d'origine ardéchoise et ils ont fait l'exode rural. Donc moi j'ai fait l'exode dans l'autre sens. C'est ça être paysan, quoi. La transmission du savoir, ben voilà, c'est des fois quand je chape avec le papy et qu'il me dit des trucs, quoi. Du genre en février, la neige de février apporte de l'engrais, etc. Alors je lui ai dit à la dernière fois, alors pourquoi vous mettez de l'engrais? Sinon, il ne m'a pas répondu. Et bon, au fur et à mesure, on espère bien s'installer, si tout va bien, et d'avoir des chèvres et de continuer. Alors, après, à savoir s'installer ou pas avec les beaux-parents, ou s'installer à part et justement valoriser d'autres endroits que les beaux-parents n'exploitent pas. On n'appréhende pas les mêmes choses, certainement, quoi. Parce que nous, l'aspect compétition que papy y voyait en disant l'aborigène parce qu'il mange, ben, on l'a supprimé. L'agriculture d'il y a 70 ans, elle est vachement plus proche de celle qu'on va faire, ben justement parce qu'il n'y avait pas d'engrais, il n'y avait pas d'herbicides, il n'y avait pas de trucs et qu'ils devaient se démerder un peu tout seul. Donc maintenant, à nous d'être assez intelligents, pour pas tomber dans le piège de la machine et de la facilité. On connaît déjà leur position, mais ce sont des gens qui vont respecter au maximum leur environnement. Et c'est certain qu'ils ont tout à fait raison et tout ça. Mais après, heureusement qu'ils ont pour objectif de valoriser leur produit de base, de faire du fromage et d'avoir cette niche qui leur permettra de valoriser un peu mieux leur prix du litre de lait. Sinon, au bout d'un moment, tu es obligé de passer par des choses un peu intensives.